Merci pour cette invitation. Nous sommes avec la femme très touchée parce que ça fait presque 15 ans depuis que notre mission à Paris a terminé. Juste à la fin janvier 2007, nous avons quitté Paris. Et de retourner ici dans ce lieu emblématique pour les discussions sur la relation franco-polonaise, ça nous touche au cœur. Vous, Pierre, vous avez réclamé le titre de l'ami de la Pologne. Moi, je peux aussi réclamer le titre de l'ami de la France. L'amitié encore solidifiée par le mariage de deux de nos fils avec deux Françaises. Alors, c'est une vraiment tradition amitié, vieille tradition franco-polonaise, vraiment une amitié très profonde. Et vous avez, monsieur le ministre, et vous Pierre, vous avez retracé les grandes questions de la relation historique et très récente de cette relation franco-polonaise. Je voudrais bien aussi porter ce regard un peu plus en avant, de sortir de ce que nous voyons aujourd'hui, d'offrir une réflexion sur les sources des différences pour partir vers l'avenir. Parce que je pense que ce que nous préoccupe notamment, c'est quelles seront les relations entre la France et la Pologne dans les années d'ici 5-10 ans, peut-être, dans ce que nous pouvons peut-être façonner. Il faut partir d'abord de la question bilatérale, et ça, je rejoins ce que vous avez dit avant moi, monsieur le ministre Pierre, que nous sommes tous imprégnés par ce que saint Augustin disait, la présence de choses passées, la présence de choses présentes et la présence de choses futures. Parce que ce que nous connaissons du passé, nous essayons de projeter aussi dans le futur. Et c'est le passé qui forme notre pensée vers l'avenir. Et nous sommes tous ici, au moins, persuadés que cette relation franco-polonaise est très forte, et nous sommes tous un peu frustrés que la réalité ne correspond pas avec cette vision que nous avons de cette relation, et aussi avec cet héritage de la relation franco-polonaise. Que faire pour comprendre les raisons et que faire pour rebondir vers l'avenir? Monsieur le professeur Zaleski a dit qu'il y a ce décalage en temps, que les pays avancent sur les différents rails avec le tempo différent. C'est vrai que la Pologne, depuis 30 ans, est un pays sur la voie de regagner la place sur la carte européenne, dans la politique européenne et dans la politique économique, qu'elle correspondait avec son potentiel et démographique et économique. Et nous sommes sur une voie un peu différente que la France. La France, très souvent, regarde sa position à travers un rétroviseur. La France, cette grandeur de la France, les grandeurs passées de la France, façonne très souvent cette pensée vers le futur. Diso gonente grande nation. Oui, diso gonente grande nation. Et pour des Polonais, nous sommes plutôt frustrés par le passé. On essaye de trouver l'avenir un peu meilleur par rapport à ce que nous avons connu. Et on se pose la question à quel point la France peut être le partenaire de la Pologne
pour regagner cette place, pour devenir vraiment une nation, un pays fort, un pays qui décide aussi sur ce qui se passe en Europe et dans le monde. Et ici, nous avons à la fois cette relation bilatérale, mais aussi le cadre européen dont vous avez parlé, Pierre, et aussi le cadre un peu plus large, le cadre de la sécurité internationale. Je pense qu'il est légitime d'en parler à ce jour-là, quand nous sommes tous très inquiets de ce qui va arriver, même demain, à l'est de l'Europe, pour la raison de cette politique très agressive de la Russie à l'égard non seulement l'Ukraine, parce qu'on était jusque-là, on a pensé que c'était que l'Ukraine, mais c'est l'Europe, c'est l'OTAN, c'est tout l'Occident, et nous sommes aussi tous touchés par cette relation. Alors, je commence d'abord par le bilatéral. Je vois ici tant de personnes qui étaient engagées dans la relation franco-polonaise, la solidarité France-Pologne, tout le mouvement, toutes les actions associatif à l'égard de Pologne des années 80 qui ont porté toute cette relation jusque les années 2000. Et puis, ça cesse donc. Pourquoi n'avons pas eu cette personne, cette grande personnalité de la relation, cette capacité de passer le flambeau à une génération nouvelle pour leur montrer que c'est non seulement que la Pologne a besoin de la France, mais aussi que la France pourrait avoir besoin de la Pologne comme un partenaire, un allié en Europe. Nous avions eu des grandes personnalités de cette relation, le professeur Geremek, les grands acteurs de la relation, aussi du côté de la France, des ministres qui se sont engagés, qui ont fait de la relation avec la Pologne sorte de leur drapeau politique qui était toujours engagé, qui était toujours à l'écoute. Mais on a perdu un peu le fond. On n'a pas parlé à travers les sociétés. On a parlé en se limitant à un discours des élites sans toucher le fond du pays, sans toucher celui qui étaient, et les électeurs, mais aussi les acteurs principaux de la politique, les gens qui décidaient pendant les élections quelles sont nos relations. Et ce qui passait dans le message politique vers le peuple était plutôt des messages négatifs, c'était plutôt des messages de mécontentement parce que la Pologne a décidé d'acheter des avions américains et pas français, ou que la France, vous avez hier à nouveau évoqué cette question de Mistral qui était due à la Russie, ce contrat a été annulé par le président Hollande et les missiles sont partis en Égypte, mais pour les Polonais, c'était une question, mais pourquoi d'abord penser à encore alimenter la puissance russe avec l'équipement militaire français, parce que nous avons vu que cette Russie est un danger, exécute la pression sur l'Europe, sur la Pologne. Et c'était le message qui passait vers le peuple. Ça a aussi causé comme la conséquence que moins de Polonais s'engagent pour apprendre le français. On voit aussi à quel point, à quelle vitesse la connaissance du français se perd en Pologne. Cette attractivité de la France, malheureusement, vient un peu de disparaître. Si je parle avec les amis de mes enfants, la jeune génération, quand on les pose la question, est-ce que vous partez à l'étranger, où allez-vous étudier ou travailler? C'est rarement qu'on reçoit comme réponse la France.
on reçoit comme réponse soit l'Angleterre, oui, c'était toujours le numéro un pour ceux qui étudiaient, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et peut-être la France. C'est une question dont je n'ai pas une réponse précise, mais j'ai vu ce phénomène s'est passé sous nos yeux, à quel point cette attractivité de la France s'est perdue. On ne regarde pas les films français, on n'écoute pas la musique française, cette attractivité culturelle qui était quelque chose qui imprégnait la génération de mes parents, qui imprégnait encore notre génération, est plus ou moins non existante maintenant en Pologne. Il faut qu'on s'engage, nous tous, tous ceux qui se veulent amis de cette relation franco-polonaise, de faire davantage pour faire la promotion. Et promotion dans deux sens. Non seulement la promotion de la France en Pologne, mais aussi de la Pologne en France. Il y a des artistes polonais qui se sont établis en France, mais il n'a pas encore cette présence industrielle en France. Peut-être vous tous, vous utilisez des vélos, mais personne ne voit que ces vélos marchent sur le roues produit en Pologne. Parce que presque tous les roues pour les vélos en France sont produits à Eugène, chez Michelin, mais produits en Pologne. Ce sont des choses dont il faut faire un peu plus de promotion, de faire la présence de non seulement l'idée de la relation, mais aussi concrétiser la relation entre la Pologne et la France au niveau bilatéral, et par les traductions de livres, et par cette promotion au sein de jeunes qu'on peut étudier bien, on peut avoir une éducation dans l'un ou l'autre pays, facilité aussi par les échanges européens et par tous ceux que nous connaissons comme les instruments d'appui. Et on ne parle pas aujourd'hui aussi d'un phénomène de l'échange commercial entre la Pologne et la France. Depuis l'entrée de Pologne dans l'Union européenne, alors depuis 2004, le volume de l'échange commercial presque quadruplé. Alors c'est un phénomène. Pologne est maintenant 10e plus grand partenaire commercial de la France, juste derrière la Suisse, mais le volume de l'échange commercial double le volume de l'échange commercial entre la France et la Russie. Mais si je regarde la presse française qui parle de la perspective économique de cet échange des investissements en Pologne, on parle de la Russie, on parle à quel point les sanctions, les aléas politiques réduisent la possibilité d'investir en Russie. Mais on voit la différence maintenant dans les chiffres, à quel point cette relation est maintenant solide. Mais on ne fait pas la promotion de cette relation, on n'en parle pas. Et il faut qu'on s'engage aussi de deux côtés, et en Pologne et en France. Je le regrette qu'il y avait ces aléas avec les différents contrats en matière militaire, car nous voyons tous à quel point ce secteur de l'industrie est un secteur phare aussi pour la France, une source de fierté française. Mais malheureusement, les décisions politiques étaient prises comme elles étaient prises. Aujourd'hui, on voit se définir cette nouvelle voie vers la coopération en matière nucléaire entre la Pologne et la France. Ce sera vraiment peut-être un sujet porteur pour la relation vers le futur, parce que après nucléaire, ira hydrogène, iront les nouvelles technologies, ça ouvre toute une grande voie pour la coopération. On peut regretter qu'on a perdu du temps, parce que j'étais ici en 2006, le premier qui a pris le contact avec Areva à l'époque, avec Anne Lauvergeon, et pour raconter une petite anecdote, en automne 2006, Anne Lauvergeon m'a dit
si la décision est prise d'ici 6 mois en Pologne acheter la technologie française pour construire la première centrale nucléaire, je pourrais bloquer les possibilités de construction à partir 2012. C'était en 2006. Nous sommes en 2022 et on est sur le même point, presque peut-être avec plus de documents signés et officialisés que ça l'était il y a 15 ans. Mais si ce projet se matérialise, ce sera un grand porteur de la relation et aussi de la discussion entre la Pologne et la France. Parce que ça aura aussi de retombées européennes. Voilà, je passe cette question bilatérale aussi vers le cadre européen, parce que c'est le cadre européen qui décide aujourd'hui davantage et de la relation, mais aussi de différents voies de la coopération. Et sur ce cadre européen, le nucléaire aura évidemment aussi l'impact sur tout ce qui sont les engagements climatiques, la révolution technologique vers les nouvelles énergies moins polluantes, plus amies pour notre environnement. Mais il y a dans cette relation européenne, encadrée par la politique européenne, plusieurs volets qui sont inscrits aussi dans le projet, dans le programme de la présidence française au sein de l'Union européenne. Cette présidence titrée « Relance, puissance, appartenance ». Et dans dans ce cadre européen, dans ce programme de la politique française, il y a une chose qui sera évidemment un grand sujet de discussion, c'est l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Comment construire en Europe une politique de la défense et de sécurité efficace, capable à protéger l'Europe ou à être un pilier fort de la sécurité européenne. Et ici, les positions ne divergent pas toujours. La France, depuis des années, essaye de promouvoir cette idée de l'autonomie stratégique qui se voit aussi un peu un pilier parallèle par rapport à l'OTAN. Pour la Pologne, la question de l'appartenance à l'OTAN, et notamment dans le contexte de sécurité d'aujourd'hui, est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas se permettre aujourd'hui à démanteler un système pour construire un autre, parce qu'on est sous menace, tout le système européen est menacé par les différents dangers, non seulement la Russie, parce qu'il y a plusieurs crises de sécurité qui sont autour de nous, et il faut préserver la capacité de réagir. Si l'OTAN est efficace, c'est toujours la question, mais au moins on a ce système qui est aujourd'hui en place. En plus, c'est le système qui nous donne une certaine assurance qu'on sait très bien quelles sont les règles et comment ce système fonctionne. Mais les différences dans les visions n'exclut pas la discussion, la réflexion commune. Ce sera mon grand souhait qu'il y ait une réflexion commune entre la France et la Pologne sur les questions de cette autonomie stratégique, car c'est dans le bon sens de la politique européenne. S'il y a des différences, il faut en parler. Car les différences entre visions des 27 pays, ou c'était 28 jusqu'au récent, 27 aujourd'hui, on peut en parler. J'ai siégé pendant 6 ans comme le représentant permanent de Pologne à Bruxelles.
je voyais à quel point on arrivait avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de travail, de converger les positions, parfois par le dominateur le plus bas. Mais c'était un lieu de discussion, de compréhension aussi des positions des autres. Si on ne se parle pas, on pense à travers les clichés. Il faut ouvrir cette voie pour une réflexion commune. De même aussi la réflexion sur ce qu'est le fédéralisme européen. On voit ici aussi le facteur allemand, parce que l'Allemagne, avec la nouvelle coalition allemande en place depuis novembre, l'Allemagne va encore renforcer la position le fonctionnement de l'Union européenne par plus de fédéralisation, plus de vote à la majorité qualifiée, plus de poids pour tout ce qui sont les institutions européennes. En France, on n'est pas toujours d'accord. De même en Pologne. C'est aussi un sujet pour une réflexion franco-polonaise. Comment voyons-nous l'Union européenne ? L'Union européenne qui est toujours une institution, quelque chose très difficilement à définir, toujours une statuna sendi, parce que ça se transforme chaque année, et plus nous avons des crises, plus nous transformons l'Union européenne. Et c'était déjà Jean Monnet qui disait que l'Europe va se construire à travers des crises et à travers des réponses données à ces crises. Jacques Delors a repris aussi cette citation de Jean Monnet, l'a répété très souvent. Et de voir comment et quelle union nous voulons voir aujourd'hui, sur quel domaine doit-on avancer plus, sur quel il est mieux d'avoir moins de convergence pour assurer peut-être plus de concurrence au sein de l'Union européenne, non seulement au niveau de la concurrence économique, mais au niveau aussi des solutions réglementaires apportées à certaines crises, les questions sociales, les questions démographiques dont nous sommes tous très confrontés en Europe. Ça, il faut qu'on trouve des possibilités à se parler. Il y a aussi cette question de la sécurité extérieure de l'Union européenne. Et je suis très très content de voir l'Europe parler aujourd'hui de la même voix sur les questions de menaces qui viennent de la Russie vers le système européen. Je te témoigne d'une journée de la gloire, disons, mais une journée de l'activité de triomphe de Weimar, quand le trois ministres Fabius, Steinmeier et Sikorski sont arrivés à Kiev en février 2014, mandatés par le Conseil des ministres des Affaires étrangères, parce qu'il faut le voir, il n'était pas seul représentant de triomphe de Weimar, il représentait l'Union européenne, pour chercher une solution pacifique entre les positions de l'ancien président et l'opposition à Kiev. Aujourd'hui, on a besoin aussi de cet engagement de l'Union européenne, de tous les ministres, sur le rôle aussi de la France aujourd'hui comme président du Conseil de l'Union européenne, de mener le dialogue. Et la parole de Jean-Yves Drian sont très claires, très forts sur cette ligne qu'il faut défendre les principes de la loi internationale, inviolabilité des frontières, pas d'usage de force, et il n'y a pas aussi de limite à ce qu'on comprend comme la souveraineté du pays. C'est ainsi aussi l'engagement vers les Balkans. Tous ensemble, comme l'Union européenne, nous avons perdu à peu près 15 ans
sur le Balkan sans être clair qu'est-ce que nous voulons en Balkan. Et Balkan risque d'exploder à nouveau. Ça, il faut aussi qu'on prenne conscience de toutes les fautes, les erreurs commises dans le passé pour qu'on puisse trouver des réponses ensemble, être plus engagés. Même la Serbie, hier, a organisé un référendum pour changer un système constitutionnel de la jurisprudence pour ouvrir le voie de devenir membre de l'Union européenne, pour faciliter les négociations qui sont déjà ouvertes depuis 2 ans avec l'Union européenne pour devenir un jour le membre de l'Union européenne. La Serbie, qui était toujours un partenaire de première ligne de la Russie dans cette région, mais le peuple s'exprime en faveur d'aller vers l'Union européenne. Et il faut qu'on réfléchisse ensemble. Il y a un lien entre la France et la Serbie aussi, un lien très traditionnel d'amitié. Mais ça serait aussi une bonne ligne de coopération. Et vous avez invité, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, non seulement à dépasser des horaires, mais à formuler le vœu. Je vais en terminer aussi avec le vœu pour cet avenir. Le premier vœu porte sur cet avenir très proche. Les campagnes électorales, les discussions politiques, que les leaders politiques, ceux qui s'engagent au niveau politique, évitent les références négatives dans les relations franco-polonaises. Parce que les mots passés dans le public restent dans le public et créent des mauvaises ambiances. Il faut qu'il y ait un engagement au niveau politique d'éviter de creuser sur les différences, de les accentuer encore davantage. Deuxième, c'est bon, vraiment souhait que les grands projets industriels aboutissent entre la Pologne et la France, et notamment en matière nucléaire, parce que c'est aussi de temps qu'on a derrière nous et il faut aujourd'hui rétablir ce qui était déjà discuté, mais le mettre en œuvre, réaliser ce projet, rentrer dans ce débat aussi pour renforcer toute l'Union européenne, non seulement la relation franco-polonaise, mais c'est à travers aussi la relation bilatéral qu'on renforce l'Union européenne. Troisième vœu porte sur des questions de sécurité collective en Europe, que nous sommes alliés, que nous sommes sur la même ligne de réponse par rapport aux menaces au niveau sécuritaire de l'Europe. Soit cybersécurité, soit sécurité en termes propres militaires par les actions hostiles portées contre et nous en Europe, mais aussi contre ceux qui sont alliés de l'Europe et qui sont déjà liés avec l'Europe par des relations, des traités, des accords comme l'Ukraine ou des pays dans les Balkans. Et quatrième souhait, je reviens vers les mots avec lesquels je commençais cette intervention. Ce devoir, les nouveaux champions de cette relation franco-polonaise qui naissent et en France et en Pologne, les gens qui ont étudié en France et en Pologne, qui prennent à cœur vraiment cette relation franco-polonaise et que sont les agents vraiment de compréhension
de passage de messages et aussi d'amorcement de toutes ces difficultés que nous avons vues et vécues dans le passé. Merci.